Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du Splint de chez Onaif, la marque de couteau d'Olight. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça fait vachement plaisir. Par contre, selon les stats YouTube, il y en a toujours beaucoup qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc si c'est le cas, pensez à le faire, ça aide beaucoup la chaîne, et ça me permettra de vous faire enfin le petit concours dont je vous parle depuis un petit moment pour les 1000 abonnés. Il ne manque plus que le nombre d'abonnés nécessaire pour pouvoir le faire. Et puisqu'on parle de la chaîne, j'ai fait créer un petit patch de la chaîne, que vous pouvez notamment retrouver sur mes pages Utip et Tipeee, ou vous pouvez me contacter par message directement sur Instagram, par exemple, si vous êtes intéressé. N'hésitez pas, il y a du stock, tous les liens sont en description de la vidéo. Revenons à ce petit couteau EDC. Donc Onaif, comme je le disais, c'est la marque couteau d'Olight. Olight, bah, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de vous les présenter, vu comment ils sont présents sur YouTube. Des fois, c'est même un peu du matraquage publicitaire. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce couteau est acheté avec mon argent, et qu'il n'y a aucun partenariat derrière. Le Splint, c'est le deuxième modèle qui sort, après le Driver. Le Driver, il m'avait pas forcément tenté, parce que je le trouvais pas beau. Hein. C'est moche! Mais j'étais quand même curieux de voir ce que valaient les couteaux Olight Onaif. Et du coup, ils ont sorti ce petit Splint, qui je trouve est beaucoup plus esthétique. Et donc, bah, je me suis lancé. Niveau caractéristiques, on est sur une longueur totale de 17,6 cm, une longueur fermée de 10 cm et une longueur de lame de 7,5 cm. Le tout pour un poids de 80,2 grammes. La lame est en acier N690 et le manche en G10. Sachant qu'il existe aussi une version avec lame en S35VN et manche titane, mais si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en description la revue que le goût des lames a fait dessus. La particularité de ce couteau, c'est son système d'ouverture, enfin sa multitude de systèmes d'ouverture. Alors c'est pas le premier à faire ça, hein. Je vous avais déjà présenté le CVV Badlands Vagabond, qui avait déjà le flipper et le Stumstead. Idem pour le Ruik P801, mais là ils ont fait encore plus fort, ils nous en ont mis 3. Donc vous avez le flipper classique, le front flipper et le thumb hole ici. Donc 3 systèmes d'ouverture pour un couteau de moins de 20 cm. Comme je vous l'ai dit dans la présentation des deux autres couteaux, 2 systèmes d'ouverture pour moi c'est plutôt inutile. C'est comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. Et même contre-productif, parce que généralement quand on veut un flipper on veut pas des Stumstead et inversement. Mais là en faire 3 c'est quand même fort. Alors je me doute bien que le but c'est de toucher un maximum de public. Quand on voit le résultat sur l'esthétique quand il est fermé, franchement ils auraient dû s'abstenir. Quand il est ouvert encore ça va. On voit uniquement le flipper classique, le front flipper disparaît. En plus le flipper bah, du coup peut servir de garde, même si c'est pas très utile sur un couteau EDC de cette taille là. Et le trou lui s'intègre assez bien dans le design et dans la ligne du couteau. Même si je sais que ça en rebute certains qui trouvent que c'est un piège à bouffe. Pour ce qui est de l'efficacité de l'ouverture, au niveau du flipper on est parfait. Il y a une bonne rétention, ça flippe tout seul, c'est fluide, ça claque bien. Pour ce qui est du front flipper, c'est un peu plus compliqué. Il est franchement pas évident, faut trouver la bonne position pour qu'il claque bien. C'est nul! Mais honnêtement, c'est pas franchement pratique et au final, on sert que du flipper. Pour moi, 2 des 3 systèmes d'ouverture sont totalement inutiles. Le verrouillage se fait avec un liner lock qui s'engage bien, qui se verrouille bien, et qui se déverrouille tout aussi bien. Il est facilement accessible, pas trop dur. On trouve sur le haut de la lame du Jingping, qui est pas du tout agressif, mais qui offre quand même un très bon grip. Et bizarrement, juste après, la lame devient très fine, sur tout le dessus. Alors pour moi, c'est purement esthétique, parce que j'en vois vraiment pas d'utilité. Ou alors à la limite, gagner quelques grammes. On a quelques gravures, pas forcément très esthétiques à mon goût. D'un côté, le logo Onaif, le nom de l'acier utilisé. Et de l'autre côté, le modèle et le numéro de série. Au niveau du manche, on a très peu de vis. Et celles qui sont présentes dépassent très peu. On ne les sent pas du tout, hein, même quand on a le couteau en main, ça pose aucun problème, on ne les sent pas. Le clip du même bleu que la vis de pivot offre un port bien discret. Ça, pour le coup, c'est beaucoup mieux réussi que le driver. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il ne soit pas fondu dans le manche. Et du coup, bah, ça a tendance à s'accrocher quand on le met sur la poche. Mais sinon, en général, on reconnaît bien le souci de finition au light. Tout est bien ajusté, rien ne dépasse. Les plaquettes sont très bien ajouré, la lame est parfaitement centrée, il n'y a aucun jeu, que ce soit en latéral ou de haut en bas. Rien à redire sur la construction, le petit truc à la limite que j'aurais pu redire, mais là c'est vraiment purement esthétique et c'est mes goûts, c'est que les backspacers ici, j'avoue que j'aurais apprécié qu'ils soient de la même couleur que le
clip et la vis de pivot. Pour ce qui est de l'utilisation, on a une très bonne prise en main. Moi en plus avec mes petites mains, du coup mes 4 doigts tiennent bien dessus. Il y a vraiment une taille parfaite pour moi. La taille de sa lame est aussi idéale pour un usage au quotidien, pour un EDC. Sa forme le rend très polyvalent. Je l'utilise tous les jours depuis qu'il est sorti et honnêtement, rien à redire. Tout ce que je lui demande, il le fait à la perfection. Même le clip, on ne le sent pas du tout dans la main, ce qui n'est pas le cas de tous les couteaux. Et avec son ergonomie, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Le petit plus chez Olight, ceux qui ont certaines de leurs lampes connaissent bien, c'est le packaging. Donc on le reçoit dans cette belle boîte, qu'il suffit de faire glisser. Voilà, hop. Quand on l'ouvre, on a une petite pochette qui est d'assez bonne qualité, hein, mine de rien. Voilà, ici. Le couteau est directement dedans quand on le reçoit, avec un petit film plastique et tout ça, bien sûr, quand il est neuf. Mais du coup, elle est parfaitement adaptée à sa taille. Et vous avez le petit compartiment avec le petit coin où vous avez le logo Knife d'un côté et le spleen de l'autre. Donc, assez qualitatif. Et pour tout ça, sur cette version-là, en tout cas, on est à 69€. Et c'est plutôt pas mal pour un couteau avec ses finitions et ses matériaux. On a fait le tour de la présentation. Comme d'habitude, je vous laisse avec des tests de coupe et des photos en gros plan de tous les petits détails sympas. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce pour l'algorithme. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao !